Et salut tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ah, ça j'ai déjà fait ça. Pour une vidéo, je sais pas ce que ça va. Enfin, je sais ce que ça va être, mais bon. Bran, entre parenthèses, série, ça va pas être vraiment une série quoi, mais bon, enfin si ça va être une série. Bref, en gros, Prestige 3, niveau 27, tout ça c'est beau. Je vais économiser 100 clés de cryptage et à chaque fois je vais faire un opening où c'est qu'on va ouvrir plein de ravitaillements. Ce sera que des ravitaillements à 10, hein. Donc j'ai 117 clés. Je voulais attendre les 1000 clés et vous faire une grosse vidéo avec 1000 clés et tout. Mais déjà j'en aurais 100 à ouvrir en vidéo, ça mettrait du temps. Et je me suis dit, on va pas faire ça, les 100 clés, 1000 clés c'est beaucoup tu vois, ça je peux les avoir facilement, mais je préfère faire plusieurs vidéos où c'est qu'il y a avec des séquences de 100 clés, comme ça ça fait des tuyaux de vidéos où c'est qu'on ouvre des colis, ça peut être sympa. Bref, donc on va ouvrir que des ravitaillements standards, les rares j'y touche pas, hein, pour moi c'est inutile, donc parce qu'on peut pas avoir des trucs en double, donc voilà quoi, on sera obligé de tout avoir au bout d'un moment. Et des camouflages. Pour l'instant, on est que de la merde. Putain. Ah, un truc rare, ça y est. Ah, c'est la tête Firebreak. Putain, mais lui, il est grave stylé ce personnage, mais j'aime pas son comment ça s'appelle. Son spécialiste, son arme et son atout, je les aime pas. Mais qu'est-ce qu'on peut l'habiller en mode swag et tout, franchement je kiffe. Oh putain, un truc légendaire les gars. Alors c'est quoi? Variant Gorgon, un chargeur rapide légendaire. Oh mais vas-y, Gorgon. Quand même dans les armes que je joue avec, je serais content, mais d'un coup, sérieusement. Il reste plus beaucoup à ouvrir. Comme ça, j'ai dingo, mais wesh, putain. En plus il a l'air d'être stylé sûr. Attendez, on va aller voir vite fait. Ah c'est celui-là, putain comment je le kiffe le soleil. Et regardez, c'est un rare, je l'ai débloqué ici. Et je l'ai débloqué aussi sur celui-ci je crois que c'est. Et ici. Et il est vachement stylé, mais je le débloque sur des armes de merde, honnêtement, je chose quoi avec ça moi. Putain, c'est saoulant franchement. Alors. Spécialiste. J'aimerais bien débloquer un mouvement stylé aussi, hein. Pour l'instant j'ai pas. Alors. Oh, on n'avait pas encore une carte de visite, tiens. Alors plus que deux à ouvrir les gars, plus que deux, donc en comptant celui-là. Hein. Putain franchement on n'a pas eu de la chance. Hein. Standard. Ouais. Oh. Oh. Un silencieux légendaire pour la M8A7. Oh putain. Elle a vu ma mère, je suis un fils de pute. Ah oh, les trucs de merde quoi. J'ai eu un seul truc épique depuis que je joue. Les 17, je vais les garder. Parce que c'est, on vient de faire 100 clés là, on vient d'en utiliser 100. Donc celle-là, je les garde jusqu'au prochain 100. Donc je vous ouvre pas celui-là, même si j'aimerais bien l'ouvrir. Je l'ouvrirai pas. Alors sinon... Hop. Standard. Confrontation. Oh. Ça il est stylé, il est marrant lui, c'est, je pense, une patate qui se tape là, avec un jus de fruits, j'en sais rien. Franchement, on peut pas avoir d'objet en double, mais quand on voit tout ce qu'il y a débloqué, on se dit ils ont été malins. Parce qu'on peut pas en avoir en double, mais pour avoir tous dans le jeu, je peux vous dire que c'est pas de la rigolade. Là, franchement, j'ai débloqué un titre expert, le titre maître tueur en expert.
Donc il est bon, mais je préfère laisser mon titre nucléaire. Alors regardez ça aussi, je vais vite fait vous faire voir un truc. On est dans la caserne de 99 de ratio. Même vous, vous pèterez un câble honnêtement. Regardez, les gars. Allez, ouf. 3 nucléaires. Voilà, 3 nucléaires. 28 implacables, 8 brutales, les gars. Donc, aujourd'hui, je me connecte. Je fais 3 parties. Alors, première partie, je suis avec mes potes. 29-0. Je suis à 29-0. Il n'y a plus que un mec en face. Qu'est-ce que je fais? J'y tire dessus, à 29-0. Mon pote il arrive, il y tire dessus, j'ai l'assistance, le mec il rage kill, l'ennemi déclare forfait. A 29-0, j'ai pas eu le kill à cause de mon pote, j'ai eu l'assistance à 29-0 et le mec il rage kill, parti fini, brutal. Ensuite qu'est-ce que je fais? Encore des séries, mais jamais je meurs, c'est toujours il rage kill, tout c'est la fin de la partie, tout ça. Après les implacables c'est quand je meurs. 28 implacables, c'est énorme franchement. Pour 3 nucléaires c'est complètement débile, mais je peux pas, c'est toujours de la faute de mes alliés que je meurs. Tiens, j'ai pas mon rapport de combat, mais là je vais encore te faire un implacable tout à l'heure. Mais mon allié là pour envoyer une microstation, du coup je peux pas. Du coup c'est toujours pareil, hein, je meurs toujours à cause de la même chose. Aussi j'ai le seum parce que en classement, en capture du drapeau, j'étais à 500 mondial, sa mère. Et je suis redescendu à 3660. Parce que je peux pas faire un gros. En fait c'est par rapport au score par minute. Et le score par minute, vas-y, hein, si vous me mettez des ennemis en face, la vie de ma mère, hein, score par minute, j'en fais un énorme. Hein. Mais bon, je peux pas parce que. Ils rage quittent tous et jamais je peux jouer. Bref, du coup voilà quoi, c'est tout. On va cesser là pour cette vidéo là. Dites-moi si les vidéos comme ça vous plaît. Depuis une vidéo c'est qu'on ouvre des petits colis comme ça là, moi perso ça me plaît. Donc dites-moi dans les commentaires, lâchez un petit like ou quoi. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.